Bonjour à toutes et à tous, c'est Asia Toxique et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops Declassified en live en multijoueur. Donc je vais jouer en match et mort par équipe sur la map Intel. Donc ma classe se constituera de l'MP5K silencieuse avec canon, de l'ASP avec silencieuse, enfin l'ASP non pas silencieuse mais équilibrage du poids car je viens de les débloquer, même si j'aime pas trop l'ASP, mais c'est parce que j'ai pas encore le CZ75. Donc je serai équipé des atouts tour de passe-passe, bouclier anti-émeute, enfin non pas bouclier anti-émeute mais gilet pare-balles, et du dernier que je sais plus. Je vous redirai ça tout de suite. Donc je suis équipé des grenades à fragmentation et je vais voir tout de suite, et des grenades paralysantes. Donc j'avais dextérité aussi. Donc je joue avec avion espion, colis stratégique, et hélicoptère d'attaque. Non. Et tour à l'auto, c'est ce que je me disais. L'hélicoptère, je le mets pas souvent parce que à chaque fois que je l'ai, la plupart du temps, la plupart du temps quand je le lance, il y a toujours un con pour le faire exploser. Parce que j'ai là, j'ai vraiment une mauvaise connexion. Mais pourtant ça lag pas. Donc ça va. Donc j'ai essayé de vous sortir un ratio positif. Même si j'imagine que j'aurai un ratio positif. Et je comprends mieux. Et je vais tenter de faire gagner cette partie à mon équipe. Quant à moi, je crois que je suis prestige 6 ou 7. Je crois que je suis prestige 6. Niveau 11. Donc je viens de faire une série de 3. J'ai 3 de ratio. Donc là j'ai crevé. Merci de m'avoir sauvé. Donc j'ai déjà plus de balles. Et ça c'est très problématique. Car j'essaye de faire monter l'MP5 au niveau 20. Putain, je vais me prendre une grenade. Dégage! J'aime bien l'M16 aussi. Mais je l'ai pas beaucoup utilisé. Qui va bien exploser. Donc j'espère très bientôt débloquer surplus qui est au niveau que je débloquerai au niveau 27. Afin que mes chargeurs se vident un peu moins vite. Et j'espère qu'il y aura un peu plus de personnes qui utiliseront l'MP5K afin que je me recharge en balles. Donc tout à l'heure je crois que j'étais mort vers là, donc si je retrouve mon arme et que je marche dessus, récupérer les munitions. En attendant, faut que je m'équipe d'une autre arme, du Galil par exemple. Je vais essayer de contourner par l'arrière. J'ai l'impression qu'on va tirer dessus. Non, ça m'a pas tiré accidentellement. Très bien. Donc là, faut que je fasse gaffe. C'est un endroit très facile à se faire péter. Donc d'après la. Oula, il m'a fait peur. Je vais aller dans un endroit un peu plus hostile. Quel jeu de mots pour c'est bon. Oh putain, j'aurais pas cru qu'il y aurait autant de monde parce que moi je passe jamais par là, enfin rarement. Je vais faire gaffe parce que à ma derrière, vu que le gars il m'avait vu, il a peut-être contourné, fait le tour, et celui qui est mort il va peut-être spawner, il va peut-être me tuer. Donc on n'a pas de drone, je le lance. Sans mon drone, je risquerais d'être mort. Je fais une très bonne partie. Non, je fais une partie normale. Enfin, non, je fais une bonne partie. Je m'en sors avec un F1. Oh merde, il va me niquer. Tu m'as volé mon kill. Tiens, pour une fois que je fais pas 15 000 assistances en dans une seule partie. Donc là, je vais garder le Galil parce que j'ai plus de balles du tout. Ainsi, j'ai quelques balles. J'ai quelques balles dans mon chargeur. Et pas assez. Donc j'ai débloqué ma tourelle. Je vais aller assez loin pour la lancer. Donc je vais me cacher juste là. Comme ça, s'il y en a qui arrive. Fais gaffe quand même. Oh merde, elle est déjà là. Ce qui est bien avec les tourelles auto, c'est qu'elles tombent vraiment
Elle tombe assez rapidement du ciel. Poussez-vous s'il vous plaît. Donc je vais vous parler un peu du jeu. C'est un jeu qui a une campagne vraiment pourrie, qui est constituée de 12 ou 13 missions ou 9, je sais plus le nombre exact, mais il n'y a pas plus de 15 missions. Et on va dire que en moyenne les missions durent 5 minutes. Bon, il y en a qui durent 2 minutes, il y en a qui durent genre 8 minutes. Merde, putain, lui, il y a le nom qui s'affiche en retard. Donc le mode hostile, comme je vous avais dit. Enfin, je vous en ai pas parlé, mais j'ai fait une sorte de jeu de mots parce que il y a le mode hostile sur ce jeu. Qui est un remake, on va dire, du mode survie de Call of Duty Modern Warfare 3. Car je suppose que tous ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas de mode survie, je suppose parce que. Ok. Que Triarch n'a pas donné les droits à Nihilistic, les créateurs du jeu, d'avoir le zombie. C'est aussi pourquoi Infinity Ward, les créateurs de Modern Warfare, n'ont pas de mode zombie. Donc c'est un mode hostile qui se déroule par manche tout simplement. Et chaque manche, il y a on va dire un colis qui tombe. Dans ce colis, vous avez soit une recharge de munitions, une arme ou un killstreak, ce qui est plus rare. Donc là, je joue vraiment mal, ça me saoule. On va dire que je suis quand même pas très très bien installé. J'ai fait en exprès, mais tant que c'est à peu près cadré, ça me va. Lui, il veut que je le repère, j'ai l'impression. Il essaye son arme, je sais pas. Bonjour, je croyais que je t'avais. Eh ben oui, je t'avais pas vu. Si vous avez toujours pas couru, là, vous allez bientôt arriver. Non, même pas. Ah oui, putain, il y a un truc qui me. Quoi ? Donc, vous avez bougé, je suppose. Oui, il y a personne. Donc, je vais camper là, juste. Mon colis. Je vais lancer mon drone. L'avion espion est en route. Ah tranquille, ils arrivent. Ouh le bâtard. Non. Ouh, il sait pas s'en servir. Magique. Ce que j'aime pas. Y a un truc que j'aime bien avec MP5, c'est le silencieux, mais. Quand je mets un silencieux, je me sens obligé de mettre un canon parce que j'ai l'impression que le balle elle frite vraiment pas du tout à longue portée. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pris la SP, surtout que j'aime pas cette arme. Oh putain, j'arrive pas à le tracer. Et franchement, personnellement, je vous recommande l'MP5 car elle est pas cheatée. Et allez, on va dire qu'elle est plutôt simple d'utilisation. Et l'idéal, c'est avec l'équilibrage du poids, je vous. Comme toutes les armes, elles ont aucun recul avec l'équilibrage du poids. Regardez la carabine. Autrement dit, le commando qui a vraiment aucun recul. Oh putain, j'ai rien fait lancer une Semtex. Ah putain, il m'a 30 balles, il y a 3 mecs, ça peut pas être possible. Donc, je suppose qu'ils ont un drone, mais j'ai pas écouté. Bon, maintenant j'en ai un vu que j'ai plus mon avion sur avancé. Venez. Aïe. Donc ça c'est aussi la connerie des grenades foireuses. Enfin des grenades paralysantes et flash foireuses. Qui quand vous les regardez vous flash la gueule. Donc ce qu'il faut toujours c'est vraiment un bon conseil, vous lancez une flash, ou vous mettez un mur, ou vous retournez. Enfin, au minimum tournez-vous un petit peu si vous pensez vous faire toucher. Donc sauf bien évidemment si vous avez un ennemi. Donc, je m'en sors avec un 24-7. Je comptais faire un 30 quelque chose. Donc lui il bouge pas du tout, lui, vraiment. Donc j'étais vraiment impatient de faire cette vidéo parce qu'en plus là, en même temps de commenter en live, je sens que ça va être une bonne vidéo. Parce que je fais un bon score. Il y a aucun bug. C'est parfaitement fluide. Ah, bon, si malgré quelques bugs très légers et vraiment pas importants. Mais tant que c'était pas le mien. Donc, je me suis fait une petite doublette. Donc je pourrais me faire un 30 quelque chose, mais je pense pas. Si, non.
Non, mes amis vont sûrement les tuer. Si je l'aurais tué et le mec à l'arrière, ben, ça aurait fait une doublette, évidemment. Je suis pas dégoûté, mais j'aurais... Ah, oh, putain, je sais pas où il l'a mis. Donc lui, il devrait... on va dire qu'il avait quand même eu de la chance. Ah, non, ouais, c'est bien, tue-le. Oh putain, mais lui, franchement, 10 atex, il est, on va dire, assez puissant. Même si je pense que je vais tuer quand même de nombreuses fois. Le prochain qui se prend la grenade. Quoi, c'est pas 6000 la limite de score? Oh putain. Non, non, parce qu'en fait, je m'étais mis en tête que j'allais finir la partie avec 30 tout pile. Donc je croyais que c'était la fin de la partie. Donc à la fin, je vais vous montrer un petit glitch. Pratique. Assez fun. Bouge. Et oh, dégage. Je peux vous montrer un glitch tout de suite. Mais non, j'aurai pas le temps. Donc si j'ai spawné au bon endroit. Donc un peu de chance, j'ai une doublette à faire. Donc regardez bien le temps. À partir d'environ 2 secondes, je vais appuyer sur start. Voilà. Voilà, je rappuie sur start et je peux me balader. Donc un autre truc, vous vous allongez, vous avancez dans le coin, vous rentrez dans le coin. Donc là, je me suis foiré. Mais vous pouvez tirer un petit peu. Mais prévoyez une grenade Semtex, parce que si vous lancez votre frag et qu'elle rebondit, vous ne pouvez pas vous suicider, vous allez être deg. Donc personnellement, je suis assez content de moi. J'ai pas monté mon ratio. Je pense que j'ai débloqué sur MP5. Couteau tactique Poniargo. Ouais, ça va. Donc, je suis plutôt content de ma performance. Donc j'ai un peu joué au L96 aussi. En mêlée générale. Donc lunettes à coque silencieux, c'est même pas la peine. Donc je vous remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo. Et vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et à surtout à commenter. C'est vraiment ce que je préfère. Les likes, je m'en fous complètement, mais si vous avez aimé, likez. Si au contraire vous avez pas aimé, dislikez. Et si vous voulez, pour toute demande d'amis, envoyez-moi une remarque et envoyez une demande d'amis à Sim 50 2340. Allez, bye les gens.